Qu'est-ce que la révolte des canuts? Il s'agit d'un mouvement, une insurrection qualifiée d'ouvrière, même si les canuts n'étaient pas forcément des ouvriers au sens strict et au sens qu'on entend aujourd'hui, mais c'est considéré comme une des toutes premières révoltes ouvrières de l'histoire de France, qui du coup a débuté le 21 novembre 1831. Les canuts étaient du coup des travailleurs de la soie, des tisserands de soie du coup autour de la région lyonnaise, qui travaillaient avec les soyeux qui étaient les vendeurs de la soie et qui leur fournissaient la matière première. Et le conflit s'est déclenché sur une question de tarif, du tarif du coup de leur travail, qui s'était beaucoup effondré du coup au cours des années précédentes, en disant de grandes difficultés financières pour eux. Et c'est pour cela qu'ils avaient tenté d'abord de négocier un tarif minimum, mais devant l'impossibilité d'arriver à un accord respecté, ils ont commencé à se mobiliser, et suite à la répression, c'est parti en insurrection. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller la regarder et la partager. Au revoir tout le monde!